Bonjour, je suis Stéphane Quéré, directeur innovation de ENGIE. Le monde de l'énergie est confronté à de nombreux bouleversements, une maîtrise des consommations, une maîtrise de la production d'énergie plus locale, plus durable. Et tout ça nécessite beaucoup d'innovation, beaucoup d'utilisation, notamment des nouvelles technologies de l'information. C'est dans ce cadre-là que nous avons décidé, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, d'accélérer notre politique d'innovation en travaillant à la fois de façon plus ouverte et plus rapide, que ce soit avec des start-up ou des incubateurs, afin de pouvoir multiplier les partenariats opérationnels, ou encore en permettant à nos collaborateurs de proposer des idées qui seront incubées et ensuite développées pour mettre des produits sur le marché. À la conjonction de ces deux politiques, que ce soit avec les start-up ou avec les collaborateurs, eh bien, il y a un projet qui s'appelle DeepKey et qui fait partie des pépites du groupe ENGIE. Bonjour, je m'appelle Vincent Briand, je suis fondateur associé de DeepKey. DeepKey, c'est une start-up technologique positionnée sur le marché de la transition énergétique qui utilise les données existantes de ses clients pour détecter des économies d'énergie sur des grands parcs de bâtiments. DeepKey, c'est un format un peu spécial dans le partenariat avec ENGIE, plus traditionnel, où on peut soit être un projet interne, salarié du groupe ENGIE et réaliser son projet, être incubé, soit être une start-up complètement externe et puis sur laquelle ENGIE va investir plus tard lorsque la start-up aura beaucoup développé. Nous, chez DeepKey, nous sommes une entreprise indépendante de ENGIE qui est accompagnée par ENGIE dans le cadre d'un support d'incubation, dans le cadre de communication qui nous sont mutuellement bénéfiques. Et ENGIE, le jour où on aura besoin de lever des capitaux, pourra investir dans DeepKey et prendre une part minoritaire dans la société. Les bénéfices de l'opération pour ENGIE sont évidents. On a un certain nombre d'innovations qui se développent extrêmement rapidement, qui sont testées très très vite sur le marché. Et de même que ENGIE travaille beaucoup avec des centaines, voire des milliers de PME et de start-up, nous pouvons bénéficier, je dirais, de la capacité d'innovation de DeepKey via des accords commerciaux pour présenter des solutions conjointes vis-à-vis de nos clients. C'est également un moteur pour l'innovation d'ENGIE, puisque DeepKey, donnant tous les signes de la réussite, c'est également un facteur d'attractivité pour les startups et aussi d'envie de développer une culture de l'innovation chez les collaborateurs d'ENGIE. Grâce à ce partenariat, chez DeepKey, nous avons bien sûr un accès à un incubateur et à des locaux pour démarrer, ce qui est très important lorsqu'on est une très jeune start-up. Mais surtout, l'intérêt principal de ce partenariat, c'est le fait qu'on ait gagné en légitimité dès le départ. Être accompagné par ENGIE, être emmené par ENGIE sur des plateaux télévision, dans des salons, sur des expositions, dans des conférences, c'est gage de crédibilité pour une jeune start-up comme DeepKey. Et grâce à cela, nous avons pu accéder à des clients auxquels nous n'aurions pas eu accès si nous avions été seuls tout seuls dans notre coin à démarrer cette aventure.